Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de semoule au lait au compact cookélite. Alors, vous allez voir, hein, encore une fois, c'est facile à faire et c'est un super dessert. Je commence par mettre la pâte de mélange. Je mets 500 g de lait, 70 g de sucre en poudre et enfin, je mets 2 cuillères à soupe d'arôme de vanille. Comme ceci, je rince pour éviter gaspillage. Je mets le couvercle, le capuchon et je vous montre le devant. J'appuie ici deux fois, je mets 7 minutes. Chauffage 90 degrés, vitesse 1. Je mets en route et on se retrouve dans 7 minutes. C'est arrêté, je vais l'ouvrir. Donc voilà, le lait est bien chaud. Je vais mettre 40 g de semoule. Alors, de la semoule fine. Hein. Je remets le couvercle, j'enlève le capuchon et je vous montre le devant. Vous appuyez sur ce bouton, vous appuyez deux fois ici, vous mettez 30 minutes, 90 degrés et vitesse 2. Je mets en route et on se retrouve dans 30 minutes, mais je regarderai quand même entre deux pour voir ce qui se passe. Donc, on se retrouve dans 30 minutes. Voilà, l'appareil s'est arrêté, je l'ouvre. J'enlève le bras mélangeur. Alors, je vais verser ma préparation dans un saladier avec une marise. Je vais récupérer tout le surplus. Alors, si vous voulez pas le mettre dans un saladier, vous pouvez le mettre dans des petits ramequins individuels. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va un peu durcir en refroidissant. Je vais laisser cette préparation pendant 1 heure à température ambiante et dans 1 heure, je le mettrai au réfrigérateur. Jusqu'au moment du repas de ce soir. Donc, si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.